être orienté vers le client, vers ce qu'il veut et de s'adapter toujours au fur et à mesure. C'est ce que permet vraiment le digital de façon assez simple. Ozetic, c'est une boutique en ligne de e-commerce et des ateliers aussi à destination du grand public et des entreprises pour favoriser les pratiques écologiques. Donc ça va être la vente de kits par exemple pour faire sa lessive ou ses cosmétiques et puis des ateliers pour apprendre à faire soi-même. Il y a eu d'abord vraiment l'utilisation des réseaux sociaux pour se faire connaître, une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter. Et l'autre solution digitale, c'est la création en fait, du site internet pour vendre les produits. Il n'y avait pas du tout de vente de produits, c'est les clients qui m'ont dit en fait on aimerait bien une fois l'atelier fait trouver un endroit où on retrouve tous les produits et puis pouvoir les offrir aussi. Et c'est là qu'est venue du coup l'idée de e-commerce et de vente en ligne et de coffrets déjà tout fait. J'avais envie plutôt d'avoir une boutique en ligne pour vraiment gérer du coup plus facilement mon temps. Et surtout, ça nécessite aucun capital de départ quasiment. Je me suis dit que pour lancer l'activité de e-commerce, il fallait du stock de démarrage. J'avais un petit réseau en place qui pouvait du coup être les premiers participants pour la campagne de financement participatif. Non seulement ça permet d'avoir de l'argent de démarrage pour lancer son activité sans trop de risques, mais en plus c'est un très bon support de visibilité. Les ateliers se sont remplis de plus en plus facilement. Il n'y a pas eu de budget de publicité, sinon de communication autre que celui pour ces réseaux sociaux. Et ça me permet d'avoir suffisamment de ventes et de visibilité. Dès que j'augmente en fait la publicité sur les réseaux sociaux, je vois tout de suite les ventes qui augmentent. Et c'est vrai que c'est ça qui a permis de développer l'activité. Pour les années à venir, l'objectif c'est de continuer à développer l'activité. Mon objectif à long terme c'est de rester dans une entreprise qui me plaît et qui reste flexible pour s'adapter à mes envies du moment, parce que je ne sais pas ce que je voudrais dans 5 ans.